Nous allons donc parler politique maintenant avec Gaston Flos, président du Amuthir Autin Amaoui Yorana. Bonsoir, chers amis, bonsoir. Merci d'être sur le plateau de Polynésie la Première. Alors aujourd'hui, c'est une certitude. Les relations entre les indépendantistes et l'État ne sont plus les mêmes qu'auparavant. On est bien loin du temps où on menaçait de fermer les robinets. Cela vous met, vous, les autonomistes, dans une position inconfortable, oui ou non? Je pense que ces relations entre les indépendantistes et l'État, c'est le jeu normal que l'on connaît très bien de la part de la France. Mais ce n'était pas le cas autant d'Oscar Témane. Le plus important, c'est le discours que le président de la République a prononcé en juillet dernier en Nouvelle-Calédonie. Et tout ce qu'il a dit concernant la Nouvelle-Calédonie nous concerne à nous. Il nous a révélé le statut qu'il voudrait nous imposer un jour. Et il a surtout répondu aux indépendantistes non, non à l'indépendance. Et il suffit de citer donc quelques passages de son discours, par exemple, la Nouvelle-Calédonie, il faut dire la Polynésie, hein, est française parce qu'elle a choisi de rester française. Je veux bâtir avec vous une Nouvelle-Calédonie dans la République. Je veux bâtir avec vous une Polynésie dans la République. Comme prévu, la Nouvelle-Calédonie a choisi de rester française. C'est pour nous également. Ce qui est clair, c'est que le président dit non à l'indépendance. Il a tout de même. Alors, mais ce qui est curieux, c'est que Oscar Temaru, le président Moïtei Broderson, les trois députés qui sont à l'Assemblée nationale, aucun de ceux-là n'a réagi aux propos du président de la République. Alors, ont-ils changé de camp? Sont-ils d'accord ou bien... Alors déjà, le contexte politique en Nouvelle-Calédonie n'est pas le même qu'en Polynésie. Ensuite, Emmanuel Macron a aussi tenu ses propos ici même lors de son déplacement en 2021. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'Emmanuel Macron aujourd'hui est assez clair sur sa position? Mais il n'y a qu'à relire et bien réfléchir sur ce qu'il a dit et bien commenter, comme prévu, lui, il avait prévu, la Nouvelle-Calédonie a choisi de rester française. C'est valable tout à fait pour la Polynésie. Il a dit qu'il allait aussi discuter avec le représentant de l'État à l'ONU pour qu'il s'assoie à la table des discussions lors du rendez-vous prévu en septembre. Moi, je pense qu'il n'y aura jamais d'indépendance ou de statut allant dans ce sens-là. Si la discussion se situe avec la nouvelle l'ONU, il faut aller à Paris, discuter directement avec le président de la République et s'entendre avec eux et pourquoi pas sur un État associé à la France. En tout cas, pour le moment, ça a l'air de fonctionner. La Polynésie est contre cette séparation d'avec la France. Mm-hmm. Donc, une association avec la France peut très, très bien se faire. Mm-hmm. Il y a un autre problème également, celui du nickel. Hein? Le président de la République a dit « Le nickel, c'est votre richesse à vous. » Mais je dis haut et fort que cette richesse, c'est également la nôtre, celle de la France et de l'Europe. On n'a qu'à remplacer nickel par les terres rares. Il s'agit de nous également, ces terres rares, qui est notre richesse pour l'avenir. C'est vrai, c'est notre richesse, mais le président dit aussi que c'est également notre richesse à nous, la France et à l'Europe. Ça se discutera un peu plus tard. Nous allons revenir au plan local. Gaston Flos, oui. Si vous le voulez bien. Aujourd'hui, donc la TVA sociale va être supprimée en octobre. C'était aussi un de vos arguments de campagne. Pourtant, le Tapurahuir Atira à l'Assemblée n'a pas soutenu cette proposition. Ce n'est plus en accord avec vos vœux.
Qu'est-ce qui est important? Oui, évidemment, nous étions contre cette TVA sociale. Mais ce qui est important, c'est d'examiner les chiffres de ce collectif. Et nous pouvons dire que nous nous sommes trompés sur l'analyse du fonctionnement de la gouvernance d'Edouard Fritsch. Il faut savoir que fin 2022, il y avait déjà une trésorerie de 26 milliards. Et en juillet dernier, cette trésorerie est montée jusqu'à 31 milliards. 36 milliards, c'est du très jamais exactement. Vu. Et ça veut dire que la Polynésie est en bonne santé financière. Mais c'est aussi grâce aux prêts garantis par l'État, qui sont encore dans les réserves des caisses de la Polynésie, qu'il y a encore cette réserve de 36 milliards. Ils ont pris une certaine partie pour le collectif, mais là également, lorsque Moïta Broderson, d'ailleurs on ne sait plus comment l'appeler, c'est président Manatou, maintenant il se dit être Louis XIV. Ce n'est pas bref, encore officiel, Gaston Flos, merci beaucoup. Rien dans ce collectif ne correspond à la profession de foi du Taveni Wiratira. La population vit difficilement, la vie est chère. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour venir diminuer les prix? Les grandes lignes seront annoncées prochainement, selon le président de la Polynésie. C'est le quotidien, créer les emplois, c'est le quotidien des Polynésiens. Merci beaucoup, Gaston Flos, d'avoir répondu à nos questions ce soir. L'information, on continue sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.